C'est comme un tsunami, un ouragan, une tempête d'amour et d'émotions. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise que je pouvais pas tout faire et que c'est ok. Comment s'y retrouver au milieu de ce flot d'informations? Pas facile de trouver sa place. Hello et bienvenue dans Parlons Bambins. Je m'appelle Alexia Poirier, je suis infirmière puéricultrice et aujourd'hui j'ai décidé de créer ce podcast pour toi, futur ou nouveau parent. Parce qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient, le but est que tu prennes conscience de toutes tes ressources pour une parentalité éclairée, assumée et reboostée. J'ai à cœur de faire de ce podcast une boîte à outils avec de l'information fiable et nuancée. Et surtout avec des épisodes courts qui s'intègrent dans ton planning de parent. Pourquoi pas à écouter durant tes trajets, le temps de la sieste ou même lors d'un moment pour toi. Tu vas vite t'en rendre compte. Ce podcast est basé sur tes questions du quotidien. Et je vais te proposer des pistes pour t'aider à observer, à comprendre ce qui se passe pour toi et ton enfant. On entend de plus en plus parler de l'introduction des morceaux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à toutes tes questions autour de cette thématique. À partir de quand commencer? Comment s'y prendre? Dans quelles conditions? Et dans cet épisode, mon invitée Colline, aka Janou Mange Comme Nous, consultante en nutrition pédiatrique, nous donnera toutes ses clés pour s'organiser au quotidien lorsque l'on veut pratiquer la diversification autonome. C'est parti! Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, depuis les débuts du podcast, vous savez que dans l'épisode 8, intitulé « La première purée », je vous explique d'ailleurs comment débuter la diversification alimentaire et je vous ai fait un petit teasing autour des morceaux. En fait, cet épisode est vraiment valable pour les enfants qui débuteront la diversification alimentaire avant 6 mois. À partir de 6 mois, on va le voir, il est possible d'introduire de nouvelles textures dans l'alimentation de l'enfant et c'est ici qu'on va en parler. Alors, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on met souvent en opposition la diversification alimentaire classique, donc c'est-à-dire passer par les petits pots très lisses et faire évoluer en grumeleux, etc., sur une durée assez longue finalement, ou alors c'est DME, donc c'est-à-dire que l'enfant se retrouve avec des morceaux dès le début et en fait, on fait que de la DME sans jamais proposer aucune purée. Moi, je suis pour la nuance et pour aussi le bien de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des périodes où votre enfant sera malade, un peu plus fatigué. Et en fait, manger des morceaux, ça demande aussi énormément d'attention, d'énergie pour lui. Donc, ce ne sera pas toujours l'idéal. Et surtout qu'aussi, dans certains moyens de garde, l'alimentation autonome, ça peut faire peur et tout le monde n'est malheureusement pas encore formé. Donc c'est vrai qu'un bébé débutant à morceaux, ça peut faire un peu peur et ça demande de l'organisation. Donc avoir de la nuance, pouvoir proposer des purées lisses parce que finalement ça dépanne aussi, mais tout aussi en soutenant le développement moteur et cognitif de son enfant parce qu'en fait ça a été prouvé, l'enfant a besoin de développer sa capacité masticatoire. Ça va venir prévenir plein de troubles, on va pouvoir les détailler, mais c'est pour ça que Santé Publique France depuis 2021. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur mangeretbouger.fr, c'est le site rattaché d'ailleurs. Recommande de faire évoluer donc les textures à partir de 6 mois, 6-8 mois. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de faire aussi cet épisode parce qu'il s'adresse aussi à tous les parents, qu'ils soient pro DME ou pas. Alors, pourquoi proposer des morceaux ? Tout simplement, ça va participer à son éveil culinaire. C'est-à-dire qu'on va favoriser l'enrichissement de son panel alimentaire. Le panel alimentaire, c'est quoi ? C'est en fait sa bibliothèque des aliments. Ce sont les goûts, les couleurs, mais aussi les textures. Et ça, c'est hyper important. Et ça, il va le garder à vie. Concrètement, durant sa première année de vie, plus bébé va rencontrer de nouvelles choses et plus ses aliments seront acceptés, faciles à manger pour lui par la suite. Le fait d'introduire les morceaux précocement, alors bien sûr ce sera des morceaux adaptés, on va pouvoir vraiment le détailler, ça va permettre à l'enfant de développer sa capacité masticatoire. Et non, je vous arrête tout de suite, il ne faut pas forcément attendre l'apparition de la première dent ou des premières dents pour pouvoir proposer des morceaux à bébé. Et c'est vrai que plus l'enfant a rencontré des morceaux, des nouvelles textures avant l'âge de 1 an, eh bien plus tard il ne risque pas de gober ou d'avoir une sensation de satiété plus tardive parce que la mastication est liée aussi à la sensation de satiété qui va se déclencher. Et donc qui dit sensation de satiété plus tardive dit parfois enfant plus glouton, même adulte. Donc ça peut être un facteur effectivement qui va jouer sur l'obésité plus tard.
Gardez en tête que pour l'introduction des morceaux, l'idéal c'est de commencer à la maison dans un cadre rassurant. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de grosses périodes de changement pour votre enfant. Typiquement, la poussée dentaire qui peut intervenir, faire mal aux gencives à ce moment-là, bébé peut être douloureux et moins disposé par exemple à mastiquer. Ça peut être d'autres choses comme un début de mode de garde. Voilà, essayez de trouver le moment opportun pour commencer cette découverte. En plus, le fait de se retrouver à la maison, de pourquoi pas proposer pendant que vous mangez, ça peut aussi mettre en appétit votre enfant et être plus facile pour lui. Et puis, je vous parlais des purées et du moyen de garde. Vous pouvez tout à fait commencer l'alimentation autonome en semaine sur les repas où vous êtes ensemble, comme le matin, et puis progressivement, votre enfant va aussi manger solide le soir. Généralement, c'est à partir du 9e mois quand votre enfant se déplace beaucoup. Parfois, c'est un peu avant aussi. Tout dépend de ses apports en journée. Et d'ailleurs, à ce propos, je n'ai pas du tout parlé du lait maternel ou du lait infantile. Il est toujours important et d'ailleurs, à partir de 6 mois, bébé va stabiliser ses apports en lait entre 500 et 600 ml par jour. Ça dépendra des jours. Si vous allaitez, n'hésitez pas à donner, continuez de donner le sein à la demande parce que le lait est toujours le meilleur apport qu'il puisse avoir, surtout quand il y a des petits refus alimentaires sur le solide. Une petite clé aussi que j'ai presque oublié de vous donner, mais non, l'épisode n'est toujours pas fini, donc c'est bon, ouf. Je disais que donc l'introduction des morceaux, ça demandait de l'énergie à bébé, que potentiellement tous les jours ça ne fonctionnera pas. Pour mettre toutes les chances de votre côté, essayez de lui donner dès le réveil les morceaux pour être sûr que bébé ait sa meilleure capacité de concentration plutôt que sur la fin d'un temps d'éveil. Forcément, bébé peut se sentir en difficulté, s'agacer et pleurer parce qu'il est fatigué en même temps. Et pour aller plus loin autour de la question de l'introduction des morceaux, cette notion d'alimentation autonome avec de la nuance, eh bien j'avais envie d'interroger une experte. Aujourd'hui, c'est Colline aka Janou Mange Comme Nous sur Instagram notamment. Elle est formée en nutrition pédiatrique, elle est aussi maman de 2 enfants et elle a fondé donc la plateforme qui porte le même nom que son pseudo Instagram qui propose des idées de menus parents-enfants, des listes de courses, etc. Alors dis-nous Colline, selon toi, comment faut-il s'organiser à la maison pour mettre en place une diversification alimentaire autonome ? Hello Alexia. Alors, pour pratiquer la diversification de manière assez autonome à la maison, c'est assez simple. Finalement, il faut juste s'équiper. Je conseille aux parents de se munir d'un bavoir intégral, donc avec des manches longues. Il y a même des marques qui proposent un petit plateau intégré, comme ça, ça évite d'avoir des projections d'aliments partout dans la maison, d'avoir des débarbouillettes, si on en aura besoin, et pourquoi pas, si besoin, même un petit tapis de sol spécifique pour éviter de tacher le sol. Après, on met tout ça dans la baignoire, on passe un grand jet d'eau et c'est fait. Néanmoins, un enfant qui mange seul est forcément un enfant qui va avoir un peu du mal au début, bien sûr, puisqu'il apprend et donc il va en mettre un peu partout. Donc, la première chose à faire, je dirais, c'est s'armer de patience. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut aussi lui proposer des couverts qui sont adaptés pour qu'il puisse se nourrir tout seul. Alors, c'est-à-dire les couverts ? Des couverts adaptés pour son enfant, c'est par exemple, au tout début de la diversification alimentaire, des couverts qui ont un manche suffisamment épais pour que l'enfant puisse le prendre en main avec toute la paume de sa main, qui ont du coup une cuillère plutôt plate pour que ce soit plus facile pour lui de venir le mettre dans la bouche. C'est aussi lui proposer des verres adaptés comme la baby cup, donc qui sont des tout petits verres, ou des tasses à paille qui vont lui permettre aussi de boire tout seul. Donc ça, c'est sur la partie équipement. Ensuite, une fois qu'on passe sur la partie plutôt nourriture, là ça devient finalement assez simple puisque on va aller proposer la même chose que ce qu'on mange nous à notre enfant en s'assurant simplement que les aliments ont une forme et une texture sécuritaire. Et à partir de ce moment-là, on peut lui proposer absolument tout ce que nous on va manger. Effectivement, on va se rendre compte qu'on va pouvoir pratiquement donner tout. Alors bien sûr, sauf la liste des aliments interdits chez le jeune enfant, je pense particulièrement au miel pour les enfants de moins d'un an, à la charcuterie pour le jeune enfant, également au chocolat. En fait, vous pouvez retrouver tous ces aliments à donner rarement ou jamais. Pareil, sur internet, vous avez des sites très fiables comme mangerbouger.fr avec toutes ces petites listes. Alors, souvent, ce qui rebute les parents de proposer toutes ces préparations, ces morceaux, c'est le facteur temps et organisation. Est-ce que tu as une clé pour les parents ?
Au niveau de l'organisation au quotidien, moi, ce que je préconise, c'est de prévoir à l'avance ses repas, puisque ça va vous permettre déjà de varier l'alimentation de votre enfant et la vôtre beaucoup plus facilement, et de savoir à l'avance ce que vous allez pouvoir proposer à votre enfant, surtout si celui-ci mange avant vous, auquel cas il va falloir anticiper la cuisine pour que votre enfant puisse quand même bénéficier d'une alimentation variée et que vous n'ayez qu'à faire un seul plat pour tout le monde. Donc, par exemple, une texture sécuritaire pour un enfant, ça peut être des lasagnes, une omelette, un flan, des frites de patates douces, etc., etc. Que des aliments que les parents peuvent aussi, bien sûr, déguster sans problème. Ok, et si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, quel type de morceaux tu conseillerais à un bébé qui débute justement dans les morceaux, dans l'alimentation autonome ? Alors, les premiers morceaux sont souvent ceux qui font le plus peur parce qu'on ne sait pas trop comment se lancer et on voit un peu partout sur les réseaux sociaux qu'il faut faire des flans, des muffins, des cakes, des pancakes, des gaufres à tout va. Alors qu'en réalité, en allant simplement chercher dans les produits bruts du quotidien et dans les plats des parents, on peut tout à fait proposer une alimentation variée, adaptée au développement de son bébé, adaptée à son âge et à ce qu'il peut ingérer à ce moment-là. Donc, par exemple, ça peut être, comme je disais précédemment, des lasagnes. Ça peut être, en ce moment, des frites de patates douces, de la viande en sauce, comme un bœuf bourguignon, où la viande va venir vraiment fondre et s'écraser sous les gencives du bébé. De l'omelette, même des boulettes de sardines. Voilà, il n'y a pas vraiment de règle, à part le fait que ce soit un morceau qui soit suffisamment gros pour que bébé puisse le prendre en main avec toute la paume de sa main, puisqu'il ne sait pas faire autrement au début, et que ce soit une texture qui vient s'écraser sous les doigts, sous vos doigts. On peut aussi proposer évidemment des aliments qui sont crus à partir du moment où ça respecte donc cette règle de la texture qui s'écrase. Donc par exemple, une poire mûre, un avocat mûr fonctionne parfaitement. Et c'est vrai, l'introduction des premiers morceaux peut notamment causer des angoisses chez les parents par rapport notamment au risque d'étouffement, ce qui est tout à fait logique. Plutôt que de ne pas savoir et d'angoisser à chaque morceau que vous allez proposer à votre bébé, je vous conseille de vous informer, vous former. Alors, vous informer, vous pourrez regarder des vidéos de secourisme sur YouTube qu'on trouve très facilement. Et puis, pour se rassurer, plutôt avoir un positionnement professionnel manipulé, n'hésitez pas à chercher autour de vous. Il y a beaucoup de maisons de parentalité qui ouvrent maintenant, qui proposent des ateliers de gestes premiers secours et notamment dans le cadre des repas solides. Donc ça peut bien marcher. Et si vous êtes dans un désert médical, enfin pas médical, mais dans un désert d'activité autour de la parentalité, on va dire, où vous ne trouvez pas forcément de lieu pour trouver ces réponses, pensez aux PMI, donc les protections maternelles et infantiles, où vous pouvez consulter une infirmière puéricultrice jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Elle peut vous montrer ces gestes-là et bien sûr, votre pédiatre est censé être formé à ces gestes ou médecin traitant. Pas forcément, mais demandez-leur pour qu'il puisse vous montrer au moins le geste et d'être en pleine connaissance. Et si ça peut vous rassurer, les premiers morceaux, vraiment le but, c'est que ça devienne au final de la purée dans la bouche de bébé. Donc si ça se trouve, au tout départ même, vous allez être frustré parce que vous allez découper votre finger food super bien, le bon calibrage, la bonne texture. Bébé va s'en emparer dans ses mains, manipuler et écraser. Et en fait, le but, c'est que ce soit très très fondant au départ pour que bébé puisse écraser entre sa langue et son palais et aussi ses gencives pour pouvoir mastiquer, induire une mastication et puis avaler sans grande difficulté. Et justement, alors, quand bébé commence à être expérimenté, comment savoir si on peut faire évoluer les textures ? Après les premières semaines, les premiers mois où l'enfant se familiarise avec justement ces nouveaux morceaux, il arrive comme un pro à manger tout seul des gros morceaux fondants, voire croustifondants, il y a un moment où il est capable de gérer des morceaux, on va dire, plus complexes. Ce moment-là, c'est généralement vers les 9-10 mois, puisque l'enfant développe des nouvelles capacités motrices. Il arrive à faire la pince, donc à serrer des choses entre son index et son pouce. Il bouge sa langue de gauche à droite. Il y a un recul du réflexe nauséeux. Bref, sa motricité évolue et à ce moment-là, il est capable de gérer des tout petits morceaux et des plus grosses cuillères puisqu'il écrase vraiment de chaque côté les aliments. Donc, on peut passer à des textures qui vont être plus croustillantes, peut-être un peu plus fermes et des morceaux qui sont plus petits. Donc, par exemple, il va pouvoir gérer des coquillettes, il va pouvoir gérer des petits pois puisqu'il va savoir en plus les récupérer tout seul avec ses doigts.
C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, j'ajouterais, plutôt que de se fier aussi à l'âge, alors forcément aussi dans le monde de la parentalité, on parle beaucoup en âge, en termes de critères, etc. En fait, ça, c'est des donneurs de temps. C'est pour avoir un titre indicatif. Si votre bébé a eu des problèmes de santé, si par exemple, il a eu un retard de croissance, né prématurément, ou il a eu de forts réflexes nauséeux et que seulement le liquide ou très lisse passait jusqu'à 8 mois, eh bien, on débutera par des morceaux de débutant pour progresser vers des morceaux plus durs quand il en aura les capacités. Donc plus que l'âge, ce sont les capacités aussi de l'enfant qui permettent d'avoir ce curseur. Et donc les critères sont les mêmes pour le coup, il faut que l'enfant puisse être à l'aise et savoir aussi gérer les aliments dans la bouche, comme tu l'as très bien expliqué, Colline. Et je voulais aussi te poser cette question qu'on me pose très très régulièrement dans mes boîtes à questions sur Instagram. À partir de quand un bébé est capable de manger comme nous, les adultes ? Vers ses 12 mois, un enfant est capable de gérer ce qu'on appelle une alimentation de table, c'est-à-dire la même alimentation de ses parents, donc avec des textures qui sont plus compliquées. Et c'est là où ça devient vraiment sympa, puisqu'on va pas avoir besoin non plus d'adapter chaque plat à sa motricité, puisqu'elle est pratiquement la même que celle des adultes. On va toujours faire attention aux aliments PRD, donc petits ronds durs, donc par exemple le raisin ou la tomate cerise, on va venir les couper en deux ou en quatre pour avoir une texture, une forme sécuritaire. On va toujours faire attention bien sûr à la présence de sel et de sucre dans l'alimentation de son enfant, mais du reste il pourra manger comme les parents. Super. Un grand merci à toi, Colline, pour toutes tes réponses et ton temps aujourd'hui, ton partage d'expérience. C'est avec plaisir que j'invite tout le monde à découvrir ton compte Instagram et aussi, pour plus de ressources, ton livre qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle « Bébé, mange comme nous » aux éditions Le Duc, avec donc des idées de recettes. Il y a des semaines batch cooking aussi, qui peut aussi donner beaucoup d'inspiration aux parents qui cherchent à alléger leur charge mentale. Donc, si ça peut aider les parents qui nous écoutent, c'est avec plaisir. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris, le fait d'introduire les morceaux a de multiples avantages pour ton enfant. Il lui permet de développer son panel alimentaire en incluant les nouvelles textures dans sa bibliothèque, ce qui va favoriser la tolérance des nouveaux aliments par la suite. Il va également et surtout développer sa capacité masticatoire. Et c'est pour cette raison qu'il est préconisé d'introduire les morceaux avant l'arrivée des dents, parce que bébé est tout à fait capable d'avoir un mouvement de mastication. Au tout départ, ce sera donc sa langue qui écrasera ses aliments contre le palais. Il va également développer son autonomie avec notamment la gestion des quantités qu'il va ingérer, parce que c'est lui qui va manger totalement à son rythme en contrôlant son mouvement entre l'appréhension de l'aliment jusqu'à la mise en bouche. Mais l'introduction des morceaux a aussi quelques freins et je pense que c'est important de les avoir en tête quand on se lance dans l'alimentation autonome ou au moins dans cette démarche. En effet, cela demande de la concentration et de l'énergie à bébé. Alors essayez de lui proposer les nouveaux aliments et les nouvelles textures au moment les plus opportuns. Éviter les périodes de maladie, de chamboulement dans les toutes premières découvertes, c'est vraiment important. Et puis, au quotidien, pensez à lui proposer à manger assez rapidement après son lever. Lever de sieste, lever du matin par exemple, parce que ça va lui demander énormément d'énergie. Et si on lui propose en fin de période d'éveil, eh bien il risque de s'agacer et donc de se mettre en échec, et vous aussi. Et bien sûr, l'introduction des morceaux demande de l'organisation en amont, notamment à la maison, mais aussi en lien avec le mode de garde. N'hésitez pas à échanger avec les équipes qui s'occupent de votre enfant. Et puis, il faut se le dire, un bébé qui mange en autonomie, eh bien, est un bébé qui fait de la patouille et c'est salissant. Alors n'hésitez pas à vous équiper pour vous faciliter la tâche. Le troisième point primordial à avoir en tête, c'est que gardez en tête qu'à partir de 6 mois et jusqu'à 12 mois, le lait a encore une place très centrale, que ce soit le lait maternel ou infantile. Donc si vous sentez que bébé est en difficulté, est en perte d'appétit, proposez toujours son lait en premier ou le sein à la demande, c'est hyper important. Ensuite, les textures vont évoluer et les quantités aussi ingérées, ça va se faire progressivement. Donc ne vous mettez pas la pression et en cas de doute, n'hésitez pas à surveiller la courbe de poids, donc soit chez le pédiatre, le médecin traitant ou en PMI. Et enfin, la quatrième clé, sûrement une clé de la réussite, c'est l'organisation.
pensez à faire vos menus et surtout vos menus pour toute la famille. Ça vous permettra de gagner du temps et surtout de l'énergie. Admettons, vous préparez un curry avec des carottes dedans. Eh bien, pour la cuisson de vos carottes, prévoyez aussi celle de bébé. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, on trouve plein d'inspirations sur Internet dans des bouquins, comme celui de Colin d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant d'alimentation, je pense que ce sujet fait aussi écho. Le refus alimentaire et la néophobie alimentaire peuvent intervenir aussi dans le champ de la diversification alimentaire, c'est tout à fait logique. Et vous pouvez retrouver tous les tips dans l'épisode 14 du podcast. Et il a déjà bien cartonné, mais si jamais vous êtes passé à côté et que cet épisode a fait émerger d'autres questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à y glisser une oreille. Et enfin, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses au rendez-vous chaque lundi sur deux, à chaque sortie. Vous êtes au taquet et ça fait vraiment très très plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser une note sur les plateformes d'écoute. Ça me touche vraiment, ça permet au podcast d'émerger dans les applis d'écoute et donc d'aider d'autres parents. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, eh bien, n'hésite pas à mettre le nombre d'étoiles que tu souhaites pour booster le podcast. Et je vous dis à lundi dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, Parlons Bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite.